Le leader du classement général, parrainé par LCL. Mesdames et messieurs, mis devant vous, le porteur du maillot jaune, leader du classement général LCL, c'est Christophe Laporte. Christophe Laporte qui va continuer son aventure de jaune, vêtu vainqueur de la première étape hier. Il endosse ce maillot vert de premier au classement par points, parrainé par Skoda. Sur le podium protocolaire qui était avec nous pour cette première place. Du maillot à poids, de meilleurs grimpeurs, parrainé par Leclerc. Le maillot blanc de meilleur jeune parrainé par le département des Hauts-de-Seine. Et changement de maillot blanc ce soir au terme de la deuxième étape, c'est Stade de Wulf qui est en tête du classement de meilleur jeune. Allez, on va poursuivre tout de suite, mesdames et messieurs, avec la remise du prix de la combativité parrainé par Antargaz. C'est un monument du cyclisme, c'est Philippe Gilbert. Philippe Gilbert, ancien champion du monde, vainqueur de 4 monuments sur 5, il a gagné des étapes sur les 3 grands tours. Alors petite surprise, mesdames, messieurs, public d'Orléans, votre champion est également parmi nous aujourd'hui. On a le plaisir de recevoir sur le podium protocolaire, monsieur Pierre Roland. Qui a gagné sur le Tour de France, sur le Tour d'Italie, qui a été meilleur jeune également du Tour de France aux côtés de monsieur le maire. C'était une vraie étape à faire devant la télé. C'était magnifique. J'ai commenté pour la première fois de ma vie avec France Télé, avec Laurent, et Nicolas G et Marion Rousse. Je me suis vraiment régalé. J'aurais vraiment aimé être sur le vélo, mais ma condition physique me le permet pas avec les petits virus que. Enfin, le gros virus qu'on connaît tous qui m'a mis un peu à plat. Et j'ai hâte de revenir sur les courses Dauphiné, Tours. Voilà, ça me fait mal au cœur de ne pas avoir été sur le vélo aujourd'hui. Mais bon, je suis là avec vous et le maire et ses adjoints me mettent à l'honneur. J'en suis vraiment très ravi. Et nous aussi, et le public d'Orléans l'est également. Oui, je suis allé repérer l'étape il y a 2-3 jours. Et je me suis souvenu pourquoi je ne vais pas au nord de la Loire. c'est vraiment très difficile. C'est, à vélo, le vent, c'est notre pire ennemi. Et quand il est placé comme il était placé aujourd'hui, c'est-à-dire toute la journée de côté, ça rend une course très difficile. Et là, les coureurs, ils ont fait 150 km. C'est que la deuxième étape. Mais je peux vous dire qu'ils sont très fatigués ce soir. Alors, Marc,
C'est bien, il avait tout prévu ce matin sur Twitter, Pierre Rolland. Il avait annoncé cette étape de bordure. J'ai un peu de métier et j'aurais été sur le vélo, j'aurais fait un peu une tactique, je pense, à la Goujard, en essayant de m'échapper, de prendre un peu d'avance sur les grandes manœuvres. Et voilà, ça aurait été mon plan de marche, en tout cas, pour moi ce matin. Pour le regonfler, pour regonfler les pneus du vélo, je vais lui remettre le clou. Mais le clou de la ville d'Orléans, alors il est magnifique le clou, vous le connaissez. Donc ça va lui donner un peps formidable. Et puis on est content d'avoir un super champion, et c'est un champion magnifique. Vous qui aimez le vélo, vous vous souvenez, hein, j'ai pas besoin de redire, l'étape mythique de l'Alpe d'Huez, c'est fabuleux. Donc il nous a fait vivre des moments absolument exceptionnels. Et on est très très fiers de l'avoir ici à Orléans avec nous. Donc Pierre, je te remets le clou. Donc tu remontes vite sur le vélo et on est tous derrière toi.